Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette facile et rapide. On va réaliser ensemble des chouchous. Et on passe tout de suite aux ingrédients nécessaires. Pour réaliser des chouchous, il vous faut 2 verres de cacahuètes décortiquées, 1 verre de sucre et 1 verre d'eau. Première étape, on va commencer par éplucher les cacahuètes. Alors, petite chose importante, il faut bien laisser la peau marron pour qu'ensuite le caramel puisse bien s'enrober autour. On va ensuite verser dans une grande poêle l'eau, le sucre et rajouter les cacahuètes. On mélange pour bien imbiber toutes les cacahuètes, puis on met à chauffer à feu doux. L'eau va progressivement s'évaporer, ça va prendre 40 à 45 minutes. C'est une étape qui est longue mais qui sert à faire cuire les cacahuètes dans le sirop. Une fois toute l'eau évaporée, le sucre va commencer à sabler autour des cacahuètes. À partir de ce moment-là, il faut mélanger sans arrêt. Le sucre va finir par légèrement fondre et se transformer en caramel. Pour cette étape, vous pouvez légèrement augmenter le niveau du feu, mais attention à bien surveiller et surtout à bien mélanger, sinon le caramel risque de brûler. L'idée, c'est de faire refondre le sucre en surface pour que les chouchous soient bien caramélisés. Quand la cuisson est finie, on dépose les chouchous sur une plaque en les espaçant bien et on laisse refroidir. Et voilà, la recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cuisinez bien et à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.